Bon, moi de toute façon, j'avais pas envie de la faire cette vidéo, parce que Noël, c'est pas mon truc. La dinde au marron, je suis végétarien, c'est pas vraiment mon kiff. La course dans les magasins, pff, vraiment pas. Et alors le réveillon avec la belle famille, n'en parlons pas. Enfin, c'est Noël, on va le faire quand même. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue pour les Chroniques du Moulin. Chaque semaine, je vous retrouve, c'est la troisième année que nous nous donnons rendez-vous chaque semaine pour évoquer des thèmes plus ou moins en lien avec l'actualité, plutôt moins que plus. Ça me tient à cœur que ces vidéos soient intemporelles, mais quand même, le jour de Noël, on s'est dit que c'était important, quelques jours dans cette période de Noël, de partager quelques mots avec vous autour des Chroniques du Moulin. Et cette période de Noël qui se veut justement un moment de fête, qui se veut un moment de célébration, qui se veut un moment de magie, un moment d'insouciance. Souvent, je me rends compte de ça dans les stages que j'anime, dans les gens qui viennent vers moi, je réalise aussi que c'est un moment qui est mal vécu, parce que, bah, pour les raisons que j'évoquais, parce qu'on n'a pas envie des dîners de famille, parce qu'on n'a pas envie de faire semblant à croire au Père Noël, parce qu'on n'a pas envie de contribuer à une fête commerciale, et ça crée un peu une tension entre cette envie de fêter Noël et en même temps cette pas envie de participer à tout ce fatras, ces masques qui ne correspondent pas à notre vitalité d'enfant et d'émerveillement. Donc ça me tenait à cœur aujourd'hui d'évoquer et de vous poser la question, et vous, comment vous fêtez Noël ? Alors, quand je reviens plusieurs années en arrière, et quand j'étais enfant, Noël était vraiment une fête familiale. C'était un moment dans des années des fois difficiles. C'était un moment où il y avait comme une parenthèse dans le temps. Et j'ai souvenir de mes parents qui ont été 8 enfants, donc qui organisaient un sapin de Noël. C'était une véritable caverne d'Ali Baba. Et je passais la nuit du 24 décembre à se dire, est-ce que je vais avoir le train électrique, le circuit 24? Et on descendait le matin. Il y avait vraiment un spectacle qui durait assez peu longtemps, mais en tout cas un spectacle qui marquait les mémoires, comme j'ai souvenir de mon père qui posait la crèche, qui installait la crèche avec beaucoup de santons de Provence. Enfin, il y avait vraiment tout un rituel autour de Noël, et ce rituel durait le temps de la soirée de Noël, et puis la journée qui suivait, et puis souvent après, on se disputait parce que lui, il n'avait pas le bon train électrique, parce que moi, je voulais pas qu'il touche, parce que le jouet était cassé, et on retrouvait quelque part la magie de Noël s'effondrait. Et je vois aujourd'hui combien on est obligé, et surtout quand on intègre les notions de pleine conscience, on a peut-être moins envie de dépenser trop d'argent, on n'a pas envie que cette fête de Noël soit associée au commerce, à la consommation, alors qu'on est sensible à l'écologie et qu'on a envie d'adopter des modèles de décroissance ou des moments de sobriété heureuse. Donc comment on peut célébrer Noël sans forcément acheter un sapin made in China ou sans forcément déguiser un faux Père Noël? Donc quelle est la part qui reste à la magie et à l'émerveillement? Et est-ce que cette part est plus importante ce jour, cette période de Noël? Je me souviens quand ma fille est arrivée à un moment donné où croire au Père Noël, ça devient louche. Elle me disait, mais c'est vraiment le Père Noël qui fait tout ça. Et je me voyais moi-même en tant que père, en tant qu'adulte, à me dire jusqu'où on peut entretenir la magie de Noël. À aucun moment donné, à aucun moment, je ne lui ai fait croire quoi que ce soit. Mais l'environnement était tellement fort que, bah, jusqu'à un certain âge, elle a cru au Père Noël. Mais jamais, moi, je n'ai raconté de mythe. Et donc, je lui ai inventé, je lui ai posé la question à elle. Je lui ai dit, pour toi, Noël, ça représente quoi? Ah bah c'est la magie, c'est la fête. Je dis ok, est-ce que tu crois que c'est un Père Noël qui vient? Non, je crois pas, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la magie qu'on passe ensemble. Et pour moi, de retrouver cette magie sans faire croire à une histoire, de se dire simplement voilà, on va célébrer ce moment. Alors bien sûr, on peut le célébrer à Noël comme on peut le célébrer à Pâques, comme on peut le célébrer même sans être chrétien à d'autres moments. Le 1er janvier est une occasion, le jour anniversaire est une occasion, mais tous ces moments, c'est de se dire, est-ce que moi,
je crois encore à la magie. Et peut-être que dans les moments où extérieurement on voudrait nous donner beaucoup de béquilles et beaucoup d'invitations à la consommation, on peut retrouver une sobriété. Je pense, moi, à des Noëls que j'ai passés seul, figurez-vous, parce que c'était des moments privilégiés pour revenir en se disant, est-ce que je peux célébrer la vie, célébrer la joie, célébrer l'insouciance en étant seul? Et ça a été des moments magnifiques parce que j'étais simplement dans la conscience de chaque geste et c'est des souvenirs magnifiques. L'autre chose qui me vient par rapport à Noël, c'est un moment, un retour à la lumière et un moment à la vérité. La vérité et la lumière vont bien ensemble et si Noël était une occasion de parler vrai? Et si Noël était une occasion d'avoir avec chacun une relation sincère, une relation authentique, une relation vraie, et si vous-même vous pouviez être vrai, vous habiller simplement si vous avez envie de vous habiller simplement, mais de vous mettre sur votre 31 si vous avez envie de célébrer, pas pour plaire à l'autre, pas pour avoir la même robe que le magazine, mais pour se dire voilà, je me mets en beauté parce que j'honore ça. Et si je fais un bon dîner avec des amis, je me remets à la conscience en me disant ce qui est important, c'est de partager cette notion du partage, cette notion de la lumière. Et là, à ce moment-là, il suffira que vous soyez en famille, que vous soyez entre amis, il suffira simplement d'une bougie, d'un sourire, d'une intention authentique pour passer une vraie journée de Noël. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Je vous souhaite un joyeux Noël.